Alors je voudrais remercier les partenaires parce que je trouve important de les remercier parce qu'ils m'aident énormément et puis c'est toujours bien de se sentir aidé, encouragé. Et je voudrais remercier aussi toutes les personnes qui visitent le blog parce qu'ils sont nombreux et je suis très très contente et fière d'être suivie comme ça dans toutes mes compétitions et tous mes tournois. Voilà, merci beaucoup. Caro, nous arrivons en fin juillet. Tu viens de terminer le Grand Prix des Landes. La saison pour toi, elle est pratiquement terminée. Il y a deux grandes séances à venir. Mais je voudrais que tu nous parles un peu de ce que tu as fait jusqu'à présent. Ce que j'ai fait à présent, j'ai eu des résultats, on va dire, corrects. Mais de toute façon, ce n'était pas mon principal objectif. Mon principal objectif, c'était ce sont les cartes à la fin de l'année pour atteindre le circuit européen. Mais j'ai une petite échéance juste avant pour me préparer, qui sont les championnats d'Europe individuels. Oui, et le classement national aussi. Oui, le classement national. Parce que c'est toujours bon à prendre. Le classement national terminé à la première place nationale, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Oui. Et la préparation va se faire comment là? Une petite semaine de vacances chez papa et maman. Chez papa et maman. Et après un retour sur Biarritz pour se remettre au travail. Voilà. Préparation physique, préparation mentale, préparation golfique. C'est ça. Pour la grande échéance qui se joue au mois de. Une des grandes échéances fin août, c'est-à-dire au golf national avec le championnat d'Europe individuel. Voilà. Voilà. Et après, c'est les cas professionnels au mois d'octobre. En Italie. Logiquement. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Qu'elle travaille encore beaucoup pour atteindre son objectif. Oui. Mais je suis sûr qu'elle va l'atteindre. J'espère. Allez, bon courage et bon travail, Caro. Merci.